Les internes en biologie médicale sortent de l'ombre. Ils sont en grève jusque mardi. Un mouvement national pour refuser la prise de contrôle de leur outil de travail par des fonds privés. Depuis 6 ans, maintenant à peu près, il existe un vide juridique en France. Ce qui fait qu'on a assisté à la naissance d'empires financiers sous forme de laboratoires de biologie médicale. Les actionnaires sont rien d'autre que des fonds de pension étrangers, des entreprises qui ont trouvé dans le système de santé un Eldorado pour gagner de l'argent. Et ces professionnels qui se spécialisent après des études de médecine ou pharmacie veulent défendre leur métier. C'est un acte médical qu'on rend, c'est pas une simple prestation de service. On a peur de devoir juste avoir les analyses à faire sans plus aucun dialogue, sans plus rien savoir sur le patient et juste donner des résultats sans contrôler ce qui est fait. À Nancy, les internes en grève à plus de 95% seront remplacés par des biologistes ou des techniciens ce week-end. Ils en appellent maintenant au gouvernement.